Le chanteur Ed Sheeran n'a pas l'intention de sortir de nouvel album l'année prochaine. Dans une interview pour la BBC, il a expliqué qu'il ne comptait pas donner immédiatement de suite à son album Divide qui reste l'opus le plus vendu de 2017. Il a déclaré qu'il aimerait plutôt prendre une année sabbatique quand sa tournée s'achèvera en septembre. Mais que ses fans se rassurent, il ne passera pas l'année 2019 à se tourner les pouces. Yo, so you can win a guitar lesson with me, and on all expenses paid trip to New York to see me in concert, and every penny goes to getting clean water for places that don't have it. And that cool, link in bio, and good luck, if you win, bring me a muffin please. X a post shared by Ed Sheeran, @teddysphotos, on Oct 21, 2018 à 1h30 PDT, je voudrais sortir un projet l'année prochaine qui ne soit pas un album. Quelque chose qu'on n'entende pas à la radio, qui ne soit pas ce que je fais normalement, qui change un peu, a-t-il expliqué. Besoin de souffler. S'il admet avoir besoin de décompresser après 3 ans de tournée, Ed Sheeran veut rester créatif. Il a laissé entendre que sa nouvelle musique serait plus expérimentale, à l'instar de son EP numéro 5 Collaboration Project, sorti en 2011, alors qu'il était encore relativement inconnu, et qu'il considère comme le projet le plus intéressant qu'il n'ait jamais fait. What? Appareil photo avec flash @ZacharyWalters a post shared by Ed Sheeran @teddysphotos on Oct 12, 2018 à 11h38 PDT. Ed Sheeran a également déclaré vouloir travailler sur une comédie musicale et poursuivre sa carrière d'acteur avec des caméos, ainsi qu'avec un rôle plus important. J'aimerais faire un film, juste un, a-t-il indiqué, avant d'ajouter, et continuer à faire des albums, des tournées et, je l'espère, fonder une famille. Bientôt peut-être, puisqu'Ed Sheeran aurait épousé sa fiancée cet été.